Les atrocités infligées au peuple palestinien et la stratégie de colonisation de la Cisjordanie démontrent grand jour qu'Israël est une nation au-dessus de la loi. Qu'est-ce qui explique que l'État hébreu peut toujours compter sur l'appui inconditionnel de l'Occident, tout récemment d'un soutien autrefois inespéré d'un nombre non négligeable de pays arabes? Quel intérêt représente-t-il pour les grandes puissances? D'où vient cette notion de peuple élu? Et la Palestine lui a-t-elle été promise dans la Bible, comme le fait savoir entre autres Naftali Bennett? Yaakov, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. Bienvenue dans L+, le deep dive de langue. Pour en apprendre davantage, j'ai l'immense plaisir d'accueillir en première partie Paul Delmotte, politologue spécialiste du monde arabe, et en deuxième partie Youssef Indy, géopolitologue, historien des religions. Place au sommaire. On commencera par un rappel historique de la déclaration de Balfour de 1917. Qu'est-ce qui a pu enclencher le dernier cessez-le-feu entre Israël et la Palestine? Quel intérêt représente aujourd'hui Israël pour l'Occident? L'exode du peuple juif, mythe ou réalité? Enfin, on fera un point sur le plan du Grand Israël et la normalisation avec les pays arabes. Paul Delmotte, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir dans L+. Je rappelle que vous êtes professeur en politique internationale et auteur de nombreux articles sur le conflit israélo-palestinien et les problématiques du monde arabe. Professeur, avant de rentrer dans le dur, je commencerai par lire la déclaration de Balfour de 1917, qui est une lettre ouverte datée du 2 novembre 1917 et signée par Arthur Balfour, le secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères. Alors, il s'adresse à Lord Walter Rothschild, gros bailleur de fonds du mouvement sioniste à l'époque. Par cette lettre, le Royaume-Uni déclare en faveur de l'établissement en Palestine d'un projet national présenté comme un foyer national pour le peuple juif. Ça, c'est pour le rappel historique. Alors, je vais vous lire juste le deuxième paragraphe de la déclaration. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civiques et religieux des collectivités non juives existant en Palestine. Promesse tenue, professeur Delmotte. Cette déclaration, il faut bien lire les mots. Il y a plusieurs remarques à faire. La première chose, c'est que vous me parlez, enfin, Balfour parle d'un foyer national. Il ne dit pas un État. Et s'il ne mentionne pas un État, c'est parce que pour les Britanniques, il fallait rassurer aussi toute la population, toute la communauté juive de Grande-Bretagne qui n'était pas sympathique aux sionistes, qui n'avait pas de sympathie pour le sionisme et qui avait peur que son statut en Angleterre serait menacé si un État, au sens propre, juif, survenait. Donc ça, c'est une première précision par rapport au texte. La deuxième chose, c'est qu'il parle seulement des droits religieux, je ne sais plus quoi, j'ai oublié le mot, pour les communautés habitant en Palestine. Il ne parle pas de droits politiques, et ça c'est très important aussi, ce qui veut dire que s'il ne parle pas de droits politiques, c'est que ça ne comptait pas, et que de toute façon, on verra par la suite que les droits politiques des Palestiniens seront complètement négligés. Suite à l'établissement du cessez-le-feu, les médias occidentaux véhiculent cette information qui consiste à dire qu'il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu. Au-delà des prises de position, des appréciations des uns et des autres, qu'est-ce qui, selon vous, a accéléré ou plutôt mis un terme à ce conflit qui, à bien des égards, est très asymétrique? Il est totalement asymétrique, je dirais même. Non, je pense que ce qui a accéléré le cessez-le-feu, je pense qu'on ne le dit pas, on ne clame pas sur la toile, mais je crois qu'il y a une pression de la part de l'administration Joe Biden sur les Israéliens. Je pense que ça a dû jouer fortement sur ce cessez-le-feu. Deuxièmement, je crois qu'il est absolument illusoire de dire que ce cessez-le-feu se termine par un match nul. Parce que si vous regardez les destructions qui ont lieu à Gaza, si vous regardez, encore une fois, bien sûr, ça saute aux yeux la disproportion des forces,
Je ne pense pas que ce soit un match nul, d'autant plus que les Palestiniens sont déjà dans une très mauvaise position, que ce soit pour le Hamas ou que ce soit pour le Fatah. Ils sont dans une très mauvaise position depuis Trump, depuis la mesure de Trump, depuis les accords d'Abraham, comme on les appelle. Donc, parler de match nul, je pense que ça flatte peut-être la fierté de certains chez les Palestiniens, mais je ne pense pas qu'on veut parler de match nul, personnellement, non. Aujourd'hui, les grandes puissances restent de simples spectatrices, on va dire, avec parfois une médiatisation, on vient de le dire, asymétrique du conflit. Mais ce fut aussi le cas lors de la création de l'État d'Israël en 1948. J'ai une question à vous poser et une question qui peut paraître débile, on va dire, entre guillemets. Israël représentait un intérêt stratégique pour ces pays-là, pour ces grandes puissances-là. Mais je pense que l'État d'Israël a représenté, pas dès le début, parce que la position américaine vis-à-vis d'Israël a évolué, mais je pense que la position, la création de l'État d'Israël avait quand même une importance stratégique, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à cette époque-là, enfin, vous n'étiez pas né, moi non plus, mais enfin, si j'étais né, mais tout, non, même pas encore. Pardon. Ce que je veux dire, c'est qu'à cette époque-là, vous aviez un cas de figure exceptionnel dans l'histoire de la guerre froide, c'est que vous aviez un accord et des Américains et des Soviétiques pour la création de cet État, chacun évidemment avec leur motivation. Et que donc ça explique que l'État d'Israël soit né quelque part. Donc voilà, je pense qu'il faut bien se rappeler de cette période où pourquoi est-ce que les Soviétiques ont soutenu à ce moment-là l'État d'Israël et l'ont même reconnu quasiment en même temps que les États-Unis, parce que l'Union soviétique se faisait des illusions quant à l'idéologie que les Israéliens, que les futurs Israéliens, que l'État d'Israël adopterait. Parce qu'il y avait une forte gauche en Israël, une gauche sioniste très importante, et même un parti communiste assez important. Et donc, pour Staline, c'était intéressant de reconnaître l'État d'Israël, puisqu'il avait des chances d'être plus pro-soviétique que tous les États arabes encore sous domination britannique. Vous parlez du parti socialiste, c'est bien le Bund, c'est ça, de mémoire? Ah non, non, le Bund, c'est autre Le chose. Le Bund, ouais. Bund, c'est un parti socialiste, révolutionnaire, donc Révolutionnaire, ouais. anticapitaliste, donc juif, qui s'est développé en Europe centrale et en Europe de l'Est, et qui n'était pas sioniste. C'est un parti qui était anti-sioniste parce qu'il estimait que les Juifs devaient se battre pour la révolution, pour leurs droits, pour l'égalité de leurs droits en Europe même, et pas aller dans cette utopie que beaucoup pensaient être à l'époque, cette utopie sioniste. D'accord, très bien. Donc le Bund, c'est toute autre chose. J'aimerais bien qu'on s'arrête, si vous le permettez, sur la stratégie de colonisation, entre autres, de la Cisjordanie. C'est toujours la même vieille technique, l'établissement d'avant-postes, ces colonies sauvages sur des terres palestiniennes. Et donc, au fait, on met en place, on va construire des mini-conglomérats, on va dire satellites, et en attendant leur légalisation par la commission israélienne des affaires juridiques, il me semble. Et donc, elles sont légalisées et quelques années plus tard, il n'y a plus lieu de revendiquer ces terres puisqu'elles font partie intégrante d'Israël. C'est exactement la même tactique que les sionistes ont adoptée avant la création de l'État. Oui. Est-ce que dans C'est le cadre exactement ça. de vos recherches, vous confirmez que les Juifs ont quitté leur terre d'Israël il y a 2000 ans? Cette histoire du grand exode des Juifs de l'Antiquité de Palestine. Que tout ça, c'est une invention de l'Église, hein. L'expulsion des Juifs par les Romains, etc. Tout ça, c'est une invention de l'Église. Il y a eu des gens qui ont été expulsés, mais la majorité des paysans sont restés sur place, hein. De la population de base est restée sur place. Et donc, ce qui faisait dire à l'époque au regretté Maxime Rodinson, c'est qu'il y avait plus, sans doute plus de sang juif, guillemets pour sang et pour juif, de sang chez les pays, chez les. Comment, chez les paysans palestiniens que dans la population israélienne juive actuelle. C'est ce que disait Maxime Rodinson, parce qu'il n'y a pas eu cet exode, il n'y a pas eu cet exode massif qui fait qu'on aurait chassé vers l'Europe
et vers le reste de l'Empire romain tous les Juifs de Palestine. C'est faux. Ça, il y a encore un bouquin récemment qui vient d'être publié là-dessus qui montre qu'en fait, la grande partie des communautés juives en Europe sont des convertis au judaïsme. D'issus de convertis au judaïsme. De même, je résume très fort, la grande partie des communautés juives du Maghreb, c'était des berbères convertis et pas des gens qui fouillaient la Palestine. Ça revient à dire en fait que le mouvement sioniste repose sur une légende. Vidal-Naquet qui disait que tous les jeunes nationalismes sont un peu fous. Et le mouvement sioniste n'a pas échappé à cette folie. Je pense que le mouvement sioniste, avec toutes les raisons que l'on peut comprendre, avec tout ce qu'il faut essayer de comprendre dans ses motivations, c'est basé sur des légendes, comme vous dites très bien, c'est basé sur des mythes que l'histoire a complètement démystifiés. Ça, c'est sûr. Pour tous les mouvements nationalistes, il faut un peuple ancêtre. Et pour les Juifs d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, où pouvait-il trouver un ancêtre autre part que chez les Hébreux? Et donc ça, c'est classique de tous les mythes nationaux. Tous les mythes nationalistes fonctionnent comme ça. La différence, c'est que dans le cas des Juifs d'Europe, leur situation était suffisamment désagréable pour... Et c'est un euphémisme, était suffisamment désagréable pour expliquer que beaucoup étaient prêts à quitter l'Europe. Et encore, beaucoup, c'est venu par la suite. Je crois qu'un des grands faits qui explique que l'État d'Israël est né, que l'État d'Israël a obtenu une population suffisamment forte pour combattre, pour avoir son État en Palestine, c'est l'hitlérisme, c'est le nazisme. Le nazisme qui a fait fuir énormément de juifs, et le nazisme, si regardez les statistiques, c'est à le moment de l'arrivée Hitler du pouvoir que la population juive israélienne, future israélienne, que la population juive en Palestine va augmenter très fort. Donc sans le nazisme, vous n'auriez pas eu l'État d'Israël parce qu'il n'y aurait pas eu la population voulue. C'est le catalyseur, on va dire, de l'exode vers la Palestine. Mais c'est le drame, c'est la tragédie qui a fait que le mouvement sioniste a pu obtenir une base suffisante, parce qu'il en manquait au départ. Ce n'est pas quelque chose... Le fait d'aller créer un État en Israël, il y a aussi des livres là-dessus, montre qu'on n'était absolument pas accepté par une grande partie de la population juive de l'époque. Qui soit estimé que c'était contre la tradition religieuse, soit et donc contre la volonté de Dieu, soit estimaient que c'était utopique, soit préféraient rester là où ils étaient nés, là où ils vivaient depuis des siècles, donc en Europe. À quoi correspond selon vous le plan du Grand Israël sur le terrain? Si vous pouvez nous expliquer un tout petit peu, est-ce que la normalisation par exemple avec les pays arabes, est-ce que c'est une étape clé dans ce plan? Oula, attendez. Là, c'est deux questions, en fait, imbriquées. Oui, j'entends. L'idée de Grand Israël, bon, au départ, vous savez que ce qu'on appelle les maximalistes sionistes voulaient également, en tout cas, une partie de ce qu'est la Jordanie aujourd'hui. OK? Et c'est justement les Britanniques qui ont, en obtenant le mandat, qui ont rendu cela impossible en décrétant un mandat britannique sur la Palestine et en créant un mandat et un émirat en Transjordanie. Donc, c'est ça qui a stoppé la volonté des maximalistes d'avoir un territoire encore plus vaste. Donc, ce territoire qui a été celui de l'État d'Israël en 48 et jusqu'en 67, c'est un territoire que dans la droite, l'extrême droite sioniste, et pas seulement d'ailleurs, c'était un travail inachevé, comme disent certains, et que bon, la guerre de 67 leur a permis d'augmenter ce territoire sur l'ensemble du territoire palestinien, de la Palestine historique, je veux dire. Donc voilà, ça c'est la première chose au niveau du Grand Israël. Maintenant, pour ce qui est de ce qu'on appelle les accords d'Abraham, donc c'est-à-dire la normalisation des relations entre certains pays du Golfe, comme
Donc, avec les Émirats arabes unis, avec l'Arabie saoudite, puis il y a bon, l'Égypte et la Jordanie, c'était déjà plus ancien. Il y a aussi le Soudan, il y a eu le Maroc, etc., etc. Donc, cette réconciliation avec une série d'États arabes, c'est évidemment un coup de maître pour Netanyahou. Hein. Et c'est quelque chose qui isole encore plus les Palestiniens, ça, tout le monde s'en rend compte. Ça ne veut pas dire que ça clôt, comme certains l'ont dit, tout réjouit d'ailleurs, comme certains l'ont dit, que ça clôturait la question palestinienne, que c'était du passé, qu'il fallait passer à autre chose. Je crois que les événements d'aujourd'hui montrent que ce n'est pas vrai. C'est la preuve. En même temps, les Palestiniens sont capables de se défendre tout seuls. Hein. D'ailleurs, le dernier conflit l'a bien montré. Ils sont capables de se défendre tout seuls dans certaines circonstances, je suis bien d'accord, je pense que la résistance est héroïque, je pense que les manifestations à Jérusalem et dans d'autres villes de Cisjordanie sont héroïques, tout à fait. Je pense pas que le rapport de force, et malheureusement dans notre monde, c'est le rapport de force militaire qui compte, je ne pense pas que là les Palestiniens fassent le poids. Et si justement, s'ils se voient encore privés de relations et d'entraide de la part d'une série de pays arabes, c'est vraiment quelque chose qui va à l'encontre de leurs espoirs. Je pense que personnellement, les seules choses qui pourraient changer le rapport de force, ce serait que les États-Unis et l'Europe sortent de leur complicité et de leur lâcheté par rapport à ce problème et imposent à Israël des obligations et via des sanctions éventuellement. Ça serait une première chose. La deuxième chose aussi, je pense qu'il faudrait que l'opinion israélienne elle-même, l'opinion juive israélienne, change. Et je pense que l'opinion juive israélienne ne changera pas tant que l'opinion, en l'occurrence, juive des États-Unis ne changera pas. Mais aux États-Unis, il y a des signes encourageants à ce niveau-là. Donc, il faut voir tous ces facteurs-là, je pense. Je suis pessimiste pour l'avenir. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a qu'on peut considérer comme une quatrième intifada. Bon, il y a eu le cessez-le-feu hier, mais je pense que ce n'est pas ça qui va vraiment changer les choses, parce que ce que font de nouveau aujourd'hui les Européens et les États-Unis, c'est de forcer ou de pousser un cessez-le-feu, et puis quand il y aura le cessez-le-feu, tout reprendra comme avant. C'est ce qu'on fait depuis Oslo. Tout reprendra comme avant. Et on va de nouveau enterrer le problème jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle explosion qui va de nouveau attirer l'opinion internationale sur la question. Mais bon, c'est comme ça que ça se passe depuis tout un temps. C'est vraiment. Netanyahou avait dit à un moment, à Gaza, on fonctionne comme comme un jardinier qui doit tondre la pelouse. À un certain moment, on tond la pelouse. Et puis, on attend que l'herbe pousse. Et puis, on retond la pelouse. Et donc, ça, je pense que c'est très important de voir que le cessez-le-feu n'arrange en lui-même rien du tout. Si la position des grandes puissances reste la même, par rapport au conflit palestinien. Je suis pessimiste, mais je pense que, comme on dit souvent au Proche-Orient, il vaut mieux être pessimiste. Vous avez accordé une interview à Michel Collomb dans Israël, parlons-en. Je vais rajouter ça en description. En fait, Michel Collomb, il vous pose la question suivante concernant le mouvement sioniste. Et en gros, il vous parle des sionistes qui, dans leur démarche, et d'ailleurs c'est peut-être le cas dans la normalisation. Et Michel Collomb, il vous pose la question, est-ce qu'il cherchait un parrain, et vous lui répondez, oui, ces dirigeants sionistes misaient parfois sur la croyance assez généralisée d'une influence omniprésente des juifs. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais je veux dire que il y avait un antisémitisme très répandu en Occident, en Europe occidentale. Et cet antisémitisme faisait qu'on attribuait aux Juifs des pouvoirs occultes très importants, comme aujourd'hui on parle de lobby juif, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'action de lobbying, je dis qu'on accordait, l'antisémitisme se misait là-dessus, sur ce fait qu'on attribuait aux Juifs des pouvoirs tellement importants qu'ils pouvaient, comme dans le livre Les Protocoles des Sages de Sion, qu'ils pouvaient dominer le monde, ce qui n'était pas tout à fait exact quand même.
Et donc, c'est justement les sionistes ont quelque part misé sur ce discours antisémite pour essayer de convaincre les puissances européennes qu'il était plus intéressant pour elles de s'appuyer et de soutenir le mouvement sioniste parce qu'ils avaient, entre guillemets, d'énormes pouvoirs. Donc, vous voyez, c'est encore une fois une espèce de relation très, très, je voudrais dire, morbide entre le mouvement sioniste et entre l'antisémitisme. Ce n'est pas la seule. Dans le conflit israélo-palestinien, mis à part l'État hébreu et colonisateur et le Hamas, quels sont les autres acteurs clés dans ce conflit? Donc, entre les colonisateurs et le Hamas, vous me demandez quels sont les autres grands acteurs? Oui, parce que, par exemple, les autorités palestiniennes, on a parfois l'impression qu'elles sont quasi absentes dans ce conflit, en fait. Mais je pense que l'autorité nationale palestinienne, et je parle de ses dirigeants, je ne parle pas évidemment des militants de base du Fatah, par exemple, ou des autres organisations palestiniennes, en dehors du Hamas, je pense que l'autorité nationale palestinienne, et d'ailleurs les manifestations sur l'esplanade de mosquée et les manifestations des jeunes à Jérusalem le prouvent, cette autorité n'a plus aucune représentativité, n'a quasiment plus aucune représentativité et est devenue tout à fait impopulaire dans la population palestinienne. Ce qui ne veut pas dire que la population palestinienne préfère le Hamas. Si c'était le cas, je pense que le Hamas n'aurait pas eu besoin d'envoyer des roquettes sur Israël. Mais je pense que l'autorité palestinienne, elle a fait son temps. Il faut que quelque chose d'autre survienne pour le bien de la population palestinienne. Parce que bon, l'autorité nationale palestinienne, je dirais, quel terme employer, je dirais qu'elle s'est fait finalement coopter petit à petit par les Israéliens en collaborant en matière de sécurité, en matière de répression policière avec eux. Et que, et évidemment, sans parler de toute la dimension de corruption dont les Palestiniens sont les premiers à parler, je pense que tout ça explique la déroute, je dirais, de l'autorité nationale palestinienne qu'avait créée Yasser Arafat. Merci beaucoup, professeur Delmotte. Merci. Au revoir. Je vous dis à très bientôt. Youssef Hidji, bonjour. Bonjour, Ayoub. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. De même, un plaisir pour moi d'être ici. Voici le sommaire de cette deuxième partie. On partira du contexte actuel en évoquant notamment la politique de vaccination en Israël. Dans notre imaginaire collectif, on considère Israël comme une nation unifiée. Est-ce vraiment le cas? Qu'est-ce qui justifierait le sentiment d'appartenance et l'affirmation d'un lien avec Israël? Quelle légitimité religieuse de l'État hébreu? Enfin, nous ferons un focus sur le mouvement sioniste et son rôle dans l'accomplissement du rêve messianique. On va se saisir du contexte actuel pour ancrage. Alors, vous venez de publier sur strategica.fr un dossier sur la vaccination et qui s'intitule « Vaccination et dictature sanitaire en Israël et en Occident, une lecture religieuse et anthropologique ». Vous dites, en guise d'introduction, la folie collective s'est emparée des élites occidentales qui, par leur politique mortifère, font bien plus de victimes que le virus du Covid-19, dont la létalité, rappelons-le, est extrêmement faible, inférieure à 1%. Dans votre dossier, vous passez sous le bistouri la politique de vaccination en Israël. Vous démontrez statistiques à l'appui comment Israël s'est transformé en, je vous cite, « laboratoire de la dictature sanitaire ». Difficile quand même d'imaginer que le gouvernement israélien pousse sa propre population à la dérive. Quelle est la logique derrière ça? Surtout que vous le dites aussi bien dans le dossier, vous dites qu'on a du mal à admettre que le peuple élu puisse subir plutôt le même sort que les goyim. Alors, il faut revenir au discours autour d'Israël, des propagandistes pro-israéliens ou de confession juive en Occident pour comprendre le rôle et la place d'Israël vis-à-vis de l'Occident. Ça fait un certain nombre d'années que des penseurs juifs laïcs ou des pro-israéliens nous disent sur les plateaux de télévision, notamment en France, que Israël est le modèle et le phare de l'humanité.
Par exemple, Bernard-Henri Lévy Henri qui dit Lévy, que oui. le peuple d'Israël a toujours été cette escorte secrète, discrète, qui mène l'humanité. Quelqu'un comme Manuel Valls a déclaré d'ailleurs aux côtés de Bernard-Henri Lévy que le peuple juif, enfin, les juifs sont à l'avant-garde de la République. Et dès les débuts en fait de la pandémie, Israël a été en pointe sur la dictature sanitaire, pas seulement en menant une politique de confinement, mais aussi en mettant en place une dictature numérique où l'on piste les individus. Et ça a été promu notamment par CNews dès les débuts, avec l'aide d'Éric Zemmour d'ailleurs, qui nous présentait Israël comme le modèle à suivre en termes de politique sanitaire. C'était dès les débuts, hein. On est au mois de mars, avril. Et Benjamin Netanyahou avait remercié CNews sur Twitter en disant la France le sait, Israël est le modèle. D'un modèle de gestion de la pandémie. Et ensuite, on a vu Albert Bourla, qui est le PDG de Pfizer, qui est lui aussi de confession juive et qui est proche de Netanyahou, qui a déclaré, conjointement avec Netanyahou, que Israël était le laboratoire, clairement, et le modèle que devra suivre l'Occident. Donc, d'une certaine façon, les Israéliens sont, malgré eux, à leur détriment, pour leur plus grand malheur, à la fois le modèle à imposer à l'Occident, et de ce fait, ils constituent le peuple qui doit servir de rat de laboratoire. Pour justifier sa généralisation à l'Occident. Et c'est ce qui s'est passé avec la vaccination quasi obligatoire en Israël, sans laquelle, en réalité, concrètement, on ne peut pas aller au restaurant, aller dans les discothèques, les bars, les salles de sport. Et donc, ils ont mis en place la vaccination systématique quasi obligatoire et le système de traque. Qui permet d'identifier les personnes qui sont vaccinées ou pas. Donc on a vu les effets ensuite, hein, entre le mois de décembre et le mois de janvier, quand la vaccination de masse avec Pfizer a commencé. On a vu, et là je rapporte les chiffres de l'OMS mis en forme par le docteur Gérard de Lépine. On a vu une explosion des contaminations à partir du moment où la vaccination de masse a commencé en Israël et accompagnée d'une explosion du nombre de morts du Covid. Donc, parce qu'en fait, le vaccin apparemment développe non seulement les variants, mais fait exploser la contamination. Et sans parler des effets secondaires. C'est ce qui s'est passé en Israël, mais c'est ce qui s'est passé aussi en Grande-Bretagne. Donc, d'une certaine façon, les Israéliens devaient être sacrifiés pour servir de modèle à imposer à l'Occident. De la lecture de votre dossier, bon, on comprend qu'au sein de la société israélienne, il y a comme finalement une lutte de classe. Je dirais pas forcément une lutte de classe, mais une distinction de classe. Alors c'est vrai que les gens s'imaginent souvent le peuple juif comme unifié ou Israël comme étant une nation unifiée. Premièrement, Souvent. ils ne sont pas unifiés parce que Israël est une juxtaposition de communautés juives qui ont des origines différentes et qui parlent des langues différentes. Parce que tout le monde ne parle pas l'hébreu en Israël, donc à l'intérieur de ce peuple, eh bien, il y a des fragmentations et des communautés qui se sont recomposées. Et deuxièmement, parce que les juifs riches ne sont pas les égaux des juifs pauvres. Et je fais quelques rappels historiques, notamment durant la Seconde Guerre mondiale, où les États-Unis ont interdit l'entrée sur leur territoire de réfugiés juifs pauvres.
afin d'aller grossir démographiquement la Palestine occupée, tout en acceptant sur leur territoire, territoire états-unien, les riches juifs, artistes, intellectuels, etc. Ça me rappelle cette blague juive, entre guillemets, racontée par, il me semble, Paul Delmotte, dans un entretien accordé à Michel Collomb dans Israël, parlons-en, qui définissait un sioniste comme un juif américain qui envoie de l'argent à un juif britannique pour envoyer un juif de Pologne en Palestine. Bon, ça, c'est entre... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les riches juifs que l'on voit à la télévision en France ou à l'étranger ne vont pas vivre en Israël et la plupart du temps n'ont même pas de résidence secondaire en Israël. Ils n'y passent même pas leurs vacances. Ils n'ont pas un Bernard-Henri Lévy et bien mieux installé à Paris dans le quartier du boulevard Saint-Germain qu'à Tel Aviv avec des roquettes qui peuvent tomber dessus à tout moment. Vous voyez, donc ça ne les intéresse pas. Israël est un projet qui est fondamentalement religieux, messianique, mais l'élite, la diaspora juive n'a aucune envie de prendre le risque d'accomplir elle-même physiquement ce projet messianique. Donc il y a vraiment une distinction. Il faut garder à l'esprit cette distinction entre les élites juives et le peuple juif ou les communautés juives qui sont, d'un certain point de vue, un moyen pour atteindre une fin du point de vue des élites. Esther Benbassa, qui est une spécialiste du monde juif, explique que, je cite, « malheureusement, le sentiment de l'identité juive aujourd'hui tend à ne plus se fonder que sur deux seuls piliers, la mémoire du génocide » et l'État d'Israël. L'éloignement des fondements religieux et l'assimilation aux valeurs occidentales, est-ce que c'est ça finalement qui explique que l'affirmation d'un lien avec Israël intervient comme fondement d'une identité spécifique selon vous, Youssef ? Il y a fondamentalement, d'abord, il y a le racialisme, le tribalisme. Qui sert de ciment. Parce que dans le judaïsme, il y a cette idée fondamentale que les juifs du monde entier descendent d'un seul et même peuple qui est le peuple hébreu. Peuple hébreu qui est, de leur point de vue, le peuple élu qui est resté, qui a gardé les privilèges de cette élection. Donc les juifs athées, même s'ils ne croient pas en Dieu, parce que la foi est quelque chose d'inexistant ou tout à fait secondaire dans la tradition juive, même lorsqu'ils sont athées, ils gardent quand même cette conscience, ce sentiment d'appartenance à un peuple, disons, primordial, antique, qui a traversé l'histoire, qui a traversé les millénaires grâce à justement ce sentiment qui est inscrit dans la Torah. Dans la Torah, on a clairement, explicitement, l'idée que le peuple juif est un peuple à part, qui est aimé de Yahvé, qu'il préfère aux autres peuples, qu'il a élevé, et cette dimension orgueilleuse, disons qu'elle arrange bien les juifs athées, qui se maintiennent dans ce cloisonnement racialiste, sans parler des privilèges que cela peut conférer à certains. Donc fondamentalement, il y a cela. Il y a cette idée qu'on appartient à un seul et même peuple élu. Et puis, effectivement, à partir du moment où il y a eu la montée de l'athéisme dans les communautés juives, ils ont dû trouver un substitut à la Torah pour maintenir ce ciment. Donc il y a cette histoire réécrite notamment par Heinrich Graetz, qui est un grand historien juif du 19e siècle, qui lui n'était pas religieux d'ailleurs, mais qui a fait une histoire du peuple juif avec cette
ce fil qu'est le racialisme, c'est-à-dire l'idée qu'on a là affaire à un seul et même peuple depuis les origines, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, pour maintenir dans l'esprit des juifs athées cette conscience identitaire et raciale. Mais il est vrai que la Shoah est venue se substituer au culte yaviste, du point de vue d'un certain nombre de juifs qui disent, moi, il m'est arrivé de discuter avec des juifs qui me disaient, moi je ne suis pas croyant, pour moi, moi ce en quoi je crois, c'est la Shoah. D'abord, la Shoah était appelée, avant les années 70, Holocauste. Encore jusqu'à aujourd'hui, on parle d'Holocauste. Or, le terme Holocauste, qui est un terme grec, est un terme qu'on trouve dans les traductions de la Torah, qui signifie Holocauste. Quand, par exemple, vous lisez la Torah, quand vous lisez le Deutéronome, le Lévitique, etc., quand on nous parle des sacrifices qu'il faut faire au temple pour Yahvé, le terme qui est employé dans la traduction, c'est Holocauste. Holocauste qui veut dire sacrifice. Donc, dans leur esprit, très tôt, la Shoah, avant de s'appeler la Shoah, était qualifiée d'Holocauste, c'est-à-dire de sacrifice. Et ça, c'est une idée qui est très importante parce que dans la tradition juive, comme dans les autres traditions, l'Holocauste, le sacrifice, est entre autres choses un moyen de se faire pardonner des péchés ou d'obtenir quelque chose de la divinité. C'est ce qu'on appelle les sacrifices expiatoires ou rémunératoires. Expiatoire pour expier une faute et rémunératoire pour obtenir quelque chose de la divinité. Et du point de vue du judaïsme, c'est ce qu'a donné le livre de Finkelstein qui s'appelle « L'industrie de l'Holocauste », l'Holocauste lui-même, donc ce sacrifice qui a eu lieu durant la Seconde Guerre mondiale, est un holocauste comme ils le disent, mais pour être plus précis, c'est un sacrifice, donc holocauste, rémunératoire. C'est-à-dire que c'est un moyen d'avoir des gains politiques, diplomatiques, avec la création d'Israël et le soutien dont a bénéficié Israël, mais aussi en monnaie sonnante et trébuchante. Parce que, vous savez, un certain nombre d'entreprises et d'États qui ont été reconnus coupables d'avoir participé à la Shoah et qui versent de l'argent à des associations qui, soi-disant, représentent les victimes de la Shoah. Et on a l'État allemand qui offre quasiment des sous-marins nucléaires à Israël. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, hein, je cite dans mon texte, un rabbin très connu dans le monde francophone qui est à la tête d'une yeshiva, c'est-à-dire une école talmudique à Jérusalem, qui s'appelle le Rav Ronchaya, et qui dit clairement grâce à quoi nous sommes ici en Terre Sainte, donc grâce à quoi l'État d'Israël a été créé en 1948, grâce à quoi nous bénéficions de tout cela aujourd'hui, si ce n'est par les mérites de la Shoah. Il dit, je cite, « Toute cette souffrance, c'est terrible, mais par un peu de souffrance, tu obtiens l'infini, ça vaut le coup. » C'est textuellement ce qu'il dit. Donc il a, bien sûr, il a le mérite d'être honnête, c'est-à-dire qu'il formule verbalement, clairement, ce que nombre d'intellectuels juifs ou membres de la communauté juive ont totalement intégré. Vous ouvrez plein de tiroirs à la fois, là, pour le coup. J'ai envie de vous poser plein de questions. Mais okay, une question par rapport... Il y a l'ancien ministre de défense israélien, Naftali Bennett, disait dans une entrevue accordée à Al Jazeera, il y a près de 6 ans, de narrative... Il disait que de narrative... Of the Bible. I guess what you need to do is go back and change the Bible. You need to change the narrative of the Bible because it's all there. Is, and I assume is Israel a theocracy? All Muslims, Christians, is Israel now a theocracy? And Jews, is it a religious state? I assume
Why are you quoting the Bible to me? I'm quoting the Supreme Court Muslims of and your Jews. Country. The Bible, c'est-à-dire la Cisjordanie et Gaza appartiennent à Israël et c'est marqué noir sur blanc dans la Bible. Au-delà de la légitimité du texte religieux, étant donné qu'il y a des instances de droit international, si je devais poser la question à quelqu'un et vérifier la véracité de ses propos, c'est auprès de toi, Youssef. Donc, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est marqué noir sur blanc? Alors, en fait, il y a un problème d'interprétation. Parce que ce qui est marqué noir sur blanc dans la Torah, par exemple, dans l'Exode, et ensuite même dans le Deutéronome, c'est qu'à un moment précis, Dieu a donné cette terre aux Hébreux. C'est-à-dire qu'il leur a ordonné d'entrer sur cette terre et d'en prendre possession, de s'y installer. Sachant qu'à cette époque-là, la terre de Canaan, bon, il y avait des populations, mais c'était une terre relativement vierge. Là, moi, je vous parle du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et donc, puis c'était un petit groupe, hein, ceux qui sont sortis d'Égypte pour s'y installer. Donc à ce moment-là, oui. Mais ce que ne dit pas Naftali Bennett et ce que ne disent plus les rabbins aujourd'hui, c'est que dans le Deutéronome, il est écrit que Dieu dit à Moïse et par suite aux Hébreux, si vous dégénérez après avoir pris possession de cette terre, après être entré en terre sainte, que vous adorez d'autres divinités, que vous vous éloignez des lois de Dieu, vous en serez banni. Et c'est bien ce qui s'est passé. C'est bien ce qui s'est passé, notamment en 70, avec la destruction du temple par les armées romaines et l'expulsion, alors non pas de toute la Palestine, mais l'expulsion des Juifs de Jérusalem. C'est d'ailleurs inscrit ça dans le Coran. Le Coran parle de l'expulsion de la ville sainte des Juifs. Il ne parle pas d'expulsion de toute la Terre sainte, mais de la ville sainte. Et autre chose que ne dit pas Naftali Bennett et que ne disent plus les rabbins, c'est que le Talmud qui a été écrit entre, on va dire, 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, le début du 6e siècle après Jésus-Christ, interdit aux Juifs de retourner en Terre Sainte. C'est interdit. C'est dans Shir HaShirim, Ketubot 111a, il est écrit, il est interdit aux Juifs, au peuple juif, de retourner comme un mur, c'est en communauté, en Terre Sainte. Il vous est interdit d'essayer de hâter les temps messianiques, et il vous est aussi interdit de révéler aux nations, c'est-à-dire aux non-juifs, les signes, les secrets annonçant la fin des temps. Donc, interdiction d'essayer d'hâter la venue du Messie, et interdiction de retourner en Terre Sainte. Donc, en fait, ça veut bien dire que les talmudistes, qui sont les héritiers des pharisiens, qui étaient les tenants du judaïsme, avaient bien intégré que la menace qui était inscrite dans la Torah, a été exécutée, c'est-à-dire expulsion de la Terre Sainte, en tout cas de Jérusalem, et surtout destruction, d'abord par les Assyriens, du royaume d'Israël, puis destruction par les Babyloniens du royaume de Juda. À partir de là, il n'y a plus jamais eu de fondation d'un royaume judéen ou israélien. Et c'est d'ailleurs le sujet de mon premier livre, Occident et Islam, tome 1, Sources et Genèse messianique du sionisme, paru en 2015 aux éditions Sugest. Tout le travail de ce livre consistait à d'abord trouver, puis mettre en évidence par quel moyen, par quelle voie les élites, une partie des élites que j'appelle messianistes juives, ont contourné cet interdit talmudique et biblique. Donc, bien loin de dire que la Terre Sainte appartient du vitam aeternam aux Juifs, la Bible, puis la Torah, dit que si les Juifs dégénèrent, ils en seront expulsés. Et la Torah dit clairement, enfin la Torah, le Talmud dit dans le passage que je vous ai cité, que les Juifs doivent attendre la venue de leur Messie pour retourner en Terre Sainte. C'est le Messie qui est censé les rapatrier en Terre Sainte. Donc pour le coup, quand un ministre israélien avance de tels propos, ça veut surtout dire qu'Israël est une théocratie finalement. Oui, c'est comme je l'explique dans ce livre, hein, Occident Islam, tome 1, Sources et Genèse messianiques du sionisme, le fondement de l'État d'Israël, enfin, d'abord du foyer national juif, donc tout le projet sioniste, est fondé
sur la Bible hébraïque, ça, c'est, sa légitimité, c'est même son mode opératoire, c'est en se basant sur la Bible hébraïque, notamment le livre de Josué, qu'ils ont créé les foyers nationaux juifs et l'État d'Israël, et c'est par, comme je l'explique dans le livre, par un messianisme actif contournant le Talmud, qu'ils ont accompli ce projet religieux. Donc, pour résumer, on va dire que le sionisme est la conjonction de trois facteurs, voire peut-être plus, je parle sous votre contrôle, le démantèlement de la société traditionnelle, la pénétration des idées de lumière, mais aussi en réaction à l'antisémitisme moderne. Historiquement, c'est... Pour faire court, le projet messianique juif naît, messianique sioniste, hein, le sionisme messianique naît au XIIIe siècle véritablement. Donc c'est à partir de là que commence mon ouvrage Occident et l'Islam, tome 1, XIIIe siècle. À partir du XVIIIe, XIXe siècle, il y a un tournant. Alors là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce tournant a laïcisé les idées messianiques. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de projets messianiques, dont le sionisme, pas seulement le sionisme, qui ont recouvert une forme laïcisée, athéiste. C'est pour ça qu'à la fin du XIXe siècle, le projet sioniste a été porté par des gens qui étaient ouvertement athées, juifs, athées. Mais pour le comprendre, il faut lire mon livre où j'explique qu'il y a eu une sorte de sas historique d'athéisme qui a recouvert l'essence religieuse par un habit laïque, républicain, socialiste ou autre, et qui a donné une image, une perception qui était biaisée du projet sioniste. Donc, comme je vous le disais, il faut en fait avoir une vision de longue durée pour comprendre. Le sionisme ne naît pas dans des milieux athéistes, parce que, contrairement à ce que tous les historiens en pensent, l'écrasante majorité, le sionisme serait né à la fin du XIXe siècle. Bon, ce que je démontre dans cet ouvrage, c'est qu'il naît dans les milieux religieux, kabbalistiques, messianiques, d'ailleurs d'Espagne, au XIIIe siècle. Donc ça commence au XIIIe siècle, ça se maintient et ça se transforme, mais toujours dans un contexte religieux, de projet religieux messianique, et c'est au XIXe siècle, XVIIIe, XIXe siècle, que ça va recouvrir une forme athéiste. Mais cette forme athéiste n'était que temporaire. Et comme je vous l'ai dit, à partir de 1967, cette couverture socialiste, athéiste, se fracture et commence à laisser apparaître le projet sioniste tel qu'il est véritablement depuis l'origine, à savoir un projet religieux qui consistait à hâter le retour des Juifs en Terre Sainte sans attendre le Messie, et à hâter la venue du Messie lui-même, ce qu'on appelle le messianisme actif. Très bien. Et donc, vous parliez tout à l'heure pour tous ces sionistes qui n'habitent pas l'État hébreu et qui sont basés en Europe et en Occident. Quelle fonction remplit Israël pour ces gens-là? Est-ce que c'est le fait de disposer d'un foyer refuge, c'est en quelque sorte un repère identitaire, un équilibre cognitif? Fondamentalement, il faut revenir à la dimension religieuse et que n'explicite pas forcément tous les intellectuels juifs ou sionistes juifs. Un de ceux qui l'explicite, c'est Jacques Attali, qui a bien compris, en fait, lui, l'essence du projet juif. Alors là, je l'explique aussi dans le tome 2, Occident Islam, tome 2, le paradoxe théologique du judaïsme, où je démontre, études bibliques à l'appui, archéologie à l'appui, etc., je démontre que le projet messianique est double, disons, du point de vue, si on en reste sur la question sioniste. C'est un, la refondation du royaume d'Israël en Terre Sainte,
pour rétablir, comme le dirait Isaac Luria au XVIe siècle, le flux divin qui existait entre le peuple juif et Dieu à l'époque de la grandeur du peuple juif quand existait le royaume d'Israël, donc rapatrier le peuple juif en Terre Sainte pour rétablir ce flux divin, et détruire les nations du monde afin qu'il ne reste qu'une seule nation encore debout, savoir le royaume rétabli d'Israël, et où sera le gouvernement mondial de toutes les nations. Donc la capitale, Jérusalem. C'est pour ça que Jacques Attali est à la fois un mondialiste et un sioniste, parce que les deux projets vont ensemble. C'est-à-dire que le globalisme, le mondialisme qui consiste à détruire les identités, détruire les nations et faire émerger à partir des ruines des nations, des institutions internationales et des gouvernements de substitution, Union européenne, OMS, Fonds monétaire international, Banque mondiale, Organisation mondiale du commerce, donc ils vont se substituer aux États, et avec comme capitale Jérusalem, de l'État du royaume rebâti d'Israël. Donc c'est un double projet, un projet mondial, donc de destruction des nations, et un projet national de refondation du royaume d'Israël. Parce que l'idée finale, eschatologique, telle qu'il est inscrit dans la Bible hébraïque, et ça je l'explique en détail dans le tome 2, c'est la domination universelle. Vous voyez, c'est écrit dans le Deutéronome, chapitre 23, par exemple, chapitre 28, où il est écrit « Si tu obéis aux lois de Yahvé, ton Dieu, il t'élèvera et ne t'abaissera pas, tu seras toujours à la tête et pas à la queue, et tu prêteras à de nombreuses nations et tu n'emprunteras pas. » Dans le livre d'Ésaïe, que les spécialistes appellent le Deutéro-Ésaïe, je ne vous expliquerai pas pourquoi, mais c'est fait partie du corpus biblique, il est écrit, chapitre 61, 62 par exemple, que les non-juifs seront vos laboureurs et vos vignerons. Vous tirerez gloire des nations. Une sombre brume recouvrera les nations, mais sur toi, peuple juif, rayonnera le soleil de Yahvé. Donc il y a toujours cette idée-là de destruction des autres nations et de construction d'un royaume d'Israël qui doit être le centre politique et idéologique, religieux de toutes les nations. Qu'est-ce qui explique selon vous cet appui permanent à l'État hébreu, quand bien même les dérapages sont flagrants côté israélien, comme on vient de le voir là tout récemment? Et est-ce que vous pensez que Biden y a été pour quelque chose, comme l'expliquait professeur Paul Delmotte dans le dernier cessez-le-feu? Ce qui explique le sionisme des États-Unis, c'est d'abord le lobby pro-israélien et son influence dans les milieux politiques, au Congrès, à la Maison-Blanche. Alors ça, c'est Stephen Walt et John Mersheimer, les deux universitaires américains, l'ont démontré dans un pavé de plus de 500 pages, 550 pages. Stephen Walt, John Mersheimer, professeur à l'université d'Harvard, professeur à l'université de Chicago, qui ont écrit un ouvrage qui s'appelle « Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine ». Donc, si vous voulez comprendre pourquoi est-ce que les États-Unis suivent Israël, notamment depuis 1948, malgré une opposition à l'intérieur même de l'appareil d'État, il faut lire cet ouvrage-là. Donc les intérêts économiques sont au centre de cette relation, on va dire, entre les deux pays. Voilà. Non, ce n'est pas les intérêts économiques, c'est la corruption des dirigeants américains, il faut être clair. Ouais. C'est le personnel américain. Formulé autrement, c'est, on va dire que c'est du lobbying. ce qui est autorisé aux États-Unis, le lobbying, ben on appelle ça normalement de la corruption. C'est-à-dire qu'un lobby va vous donner de l'argent pour une campagne, va vous soutenir via les médias, etc., en échange de quoi vous allez militer pour Israël et mener une politique pro-israélienne, sans parler des membres des gouvernements qui se succèdent, qui sont eux-mêmes des juifs pro-israéliens, qui agissent pour le compte d'Israël et du lobby pro-israélien.
Ça, c'est la première chose. Il y a une dimension idéologique, parce que ce dont je parle dans le livre, dont je n'ai pas parlé ici, c'est que le messianisme sioniste a pénétré les milieux protestants millénaristes anglais au XVIIe siècle. Et ce sont, une partie de ces protestants millénaristes sont ceux qui sont allés peupler l'Amérique, en génocidant au passage les Indiens, comme dans le livre de Josué. Et eux-mêmes se sont identifiés au peuple juif, c'est-à-dire comme le peuple élu, et l'Amérique comme une nouvelle terre sainte, une nouvelle terre d'élection. De là est née l'idée de destinée manifeste de l'Amérique. Donc en fait, c'est une Amérique protestante, évangélique, sioniste, messianique, puisque eux aussi veulent accélérer, à l'instar des Juifs, sous l'influence des Juifs, l'avènement des temps messianiques. Simplement, pour les évangéliques, c'est le Christ qui doit revenir, et pour les Juifs, c'est leur Messie qui doit arriver. Mais quoi qu'il en soit, on trouve des lobbies, des organisations évangéliques, protestantes, qu'on appelle les chrétiens sionistes, qui sont très actifs aux États-Unis, qui sont très liés à Israël, et qui expliquent notamment la politique pro-israélienne d'une partie des dirigeants américains. Maintenant, par rapport au cessez-le-feu, Biden est sénile. Je ne pense pas qu'il ait une vision très, très nette des intérêts géopolitiques et des conflits au Proche-Orient. Je pense que le cessez-le-feu a plusieurs causes. D'abord parce qu'il s'est avéré qu'Israël est plus fragile qu'on ne le pensait, enfin qu'il ne le pensait, que les Occidentaux le pensaient. On a vu la relative efficacité du dôme de fer. On a vu, comme l'a expliqué Hassan Nasrallah, que les roquettes pouvaient atteindre n'importe quel point du territoire israélien. Qu'aucun citoyen israélien n'est en sécurité. Dès lors qu'ils attaquent Gaza, qu'ils entrent en conflit, eh bien, ils ne sont pas en mesure, en fait, d'accepter le contre-coup, le retour de flamme. Et je pense que c'était tout à fait contre-productif sur le plan militaire, comme sur le plan de l'image à l'échelle internationale pour Israël. Tout le monde a bien vu que c'est parti d'une volonté de chasser des familles palestiniennes de Jérusalem-Est, que c'est parti d'une provocation, une nouvelle provocation dans la mosquée à la fin du Ramadan à l'heure de la prière, et les Israéliens ont clairement reculé. Maintenant, il est vrai que les Américains, surtout les démocrates, ne sont pas en ce moment particulièrement chauds pour soutenir ouvertement Israël publiquement. Vous parliez à l'instant de votre bouquin. Est-ce que vous avez fait l'objet de poursuites judiciaires ou d'intimidation sur le fond du bouquin? Je n'ai jamais été attaqué en justice. Des tentatives d'intimidation, des insultes, des menaces, etc. Oui, j'en ai reçu depuis la publication de ce premier ouvrage. Mais jamais, jamais, jamais il n'y a eu de réfutation du contenu de ce livre. Jamais. D'ailleurs, sur les deux tomes, aucune réfutation. Alors, il y a des désaccords. Il y a des gens qui sont en désaccord avec les thèses avancées dans le premier tome ou dans le deuxième tome ou dans mes autres livres. J'en ai publié 8 à ce jour. Mais je n'ai jamais eu de réfutation sérieuse, méthodique. Chaque fois que certains ont voulu réfuter mon travail, ça a été par des mensonges, des passages tronqués, on m'attribue des citations que je rapporte dans mes livres qui ne sont pas de moi, c'est entre guillemets. Alors on va dire que Youssef Hindi a dit que, alors que c'est simplement des citations que je rapporte d'autres personnes. Donc toujours des procédés malhonnêtes, mais là on va rester sur les gens qui sont compétents. Les gens qui sont compétents et qui sont censés réfuter mon travail, c'est-à-dire des intellectuels, des chercheurs, des historiens, des universitaires, ne l'ont jamais fait.
Youssef Indy, merci. Et comme on dit, keep up the good work. Merci, merci pour l'invitation. Ce fut un plaisir. Thank you.